Gabriel Falcao. 1-0 pour Monaco. Il est ému parce que c'est quand même quelque chose pour lui. Après ses blessures, revenir, marquer, c'est formidable, hein ? C'est formidable. C'est pas rien, 6 mois. Ah non, non, non. Blessé, effectivement, ouais. Fin janvier. Regardez ici comment il... Pas de hors-jeu. Il se met bien devant, comment il claque ce ballon hors de portée de Chesney. Ouais, Falcao est de retour. Super. Falcao is back. Alors, je pense, on nous posait la question avant. Là, on a quand même un sacré élément de réponse. Hein, parce que je ne pensais pas qu'il serait capable déjà de marquer aussi vite. En plus, il a quasiment perdu aucun ballon depuis le début du match. Hein, on l'a vu revenir un peu au milieu, bouger, chercher. Mais ça, c'est remarquable de marquer comme ça. Et puis, en fait, ce n'est pas immérité. Parce que l'équipe qui a été la plus déterminée, la plus généreuse et la plus dangereuse, ben, c'est Monaco. Et ce n'est pas Arsenal. Il faudra maintenant que les joueurs de Wenger réagissent parce qu'ils n'ont pas réussi beaucoup d'enchaînements. Et je trouve qu'ils ont un milieu de terrain là qui